Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Nous continuons le témoignage puissant précédent. Et c'est la partie numéro 3. Ici, nous allons voir l'origine de tout ce que nous voyons dans notre monde et parfois même à la télévision. Ça va même vous étonner. Si vous aimez acheter des nounous et des poupées pour vos enfants, alors là, vous serez même plus surpris que surpris. Parce que ce qu'il y a à l'écran n'est pas là pour rien. Vous devez également vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo. La vidéo qui va suivre après cette vidéo, ce sera la suite de ce témoignage puissant. Et cette vidéo va apparaître sur l'écran ici. Nous allons vous le rappeler à la fin. Mais pour le moment, écoutez bien, écoutez très bien. Parce que ça, vraiment, ce sont des révélations assez inquiétantes. Parce que les sirènes des eaux existent. Les démons sont réels et ils travaillent. Écoutons les œuvres et découvrons. Il y a un autre monde sous la mer auquel vraiment je ne connais pas l'Amérique. Mais le monde qui est là-bas, là, vraiment. Ceci, c'était le paradis de Dieu. Tu as dit, mais il y a même jeté sous la mer. Il va aller dans la mer, il est resté sous la mer. Le monde qui est là-bas, là. Ah, c'est un autre monde. C'est là-bas où on fabrique les films. Wow! Elle nous révèle qu'il y a un monde, le monde sous-marin, ou encore le monde des eaux, habité par les sirènes. Où on fabrique des films pour notre monde. Écoutez. Vous qui aimez les films mondains, ah, c'est dans ça là aussi que la télévision peut terminer en fait. Tous les films qu'on regarde à la télé, les feuilletons. Ah, le film de blanc. J'aime le film des Anglais. J'aime le film des blancs des Anglais. Le film des Américains. J'aime le film tant des Hindous, tant de tel pays. Babylone, j'aime vraiment Babylone. J'aime Babylone. Quand on dit Babylone, la grande, la France, l'Amérique, l'Angleterre, tous ces pays-là, c'est eux qui forment la grande Babylone. Ah, si tu les aimes, c'est que tu adores bien Lucifer, tu chéris bien sa femme qui est Jézabel, Satan. C'est que tu les chéris très bien. Il y a un monde sous la mer quelque part là-bas où il y a des hommes qui sont musclés. Comme en façon, on voit les calculs là. Et façon, tu connais deux packs. L'homme, on dit deux packs là. De toute façon, les gens ont tatoué sur eux, noir, partout là. Ils sont comme ça. C'est eux qui font sortir les films que tu regardes à la télévision. C'est eux qui font sortir. Les clubs des petits, c'est l'image des démons. Sous la mer. Clubs des petits, c'est pas beau. Elle dit que les dessins animés sont en réalité les images des démons. Ça veut dire que les personnages des dessins animés là. En réalité, ce sont des démons qui sont là. Et tous ceux qui vont aimer ce personnage, mais qui vont porter leur déguisement, seront tous liés à ces démons. Ça veut dire que les enfants sont en danger. Écoutez encore. De toute façon, les gens ont tatoué sur eux, noir, partout là. Ils sont comme ça. C'est eux qui font sortir les films que tu regardes à la télévision. C'est eux qui font sortir. Les clubs des petits, c'est l'image des démons. Sous la mer. Clubs des petits, c'est pas beau. Toi, ton enfant, regarde clubs des petits. C'est plus une alliance. C'est plus un contact avec les ténèbres. Ouata m'a montré. Poupée. J'en viens arriver là en Côte d'Ivoire. J'en viens arriver. On va payer. Je pour son enfant. Ah, ne payez pas Poupée Nounous pour vos enfants. Hein. Poupée Nounous. Ouata dit c'est son image qui a coupé que vous voyez quand je suis ici. C'est elle, cheveux. Divisé. Ah, Ireli. Ouata Ireli. C'est elle même qui est là. Elle dit c'est elle qui est là. Maintenant, nous, c'est l'image des démons. Vous qui mettez les photos de Jésus, de Marie, l'enfant Jésus, Jésus mort sur la croix, photos de Marie, hein, dans vos maisons, statues dans vos maisons, enlevez-les. L'éternel fonctionne avec les écritures. Ça, c'est vrai. Et non des images. Parce que tous ces images. Je sors comme ça, je ne suis pas mieux que vous, mais je ne suis pas tranquille. Des choses que j'ai vues là-bas, hein, même la marque de la bête, 666, beaucoup d'images auxquelles même j'ai pris d'eau dans mon portable. Quand je dis, oh, donc, quand la Bible dit le monde est sous la domination du Maïe, donc ce qui est là-bas, c'est ça qui est ici encore. Quand je sors souvent, je suis comme ça. Tu n'as même pas idée sur la chose, et puis, hein, et la femme qui m'a produit les mèches là, ou à ta soeur dans une vie, elle vient se présenter à toi. Tu dis, tu ne me veux pas, mais celle-ci, elle m'appartient. Ici, là, c'est ma propriété. Ma propriété, je suis en eux. Ici, là.
quand les filles sont en train de mécher, en train de faire les choses de coiffure, quand les marchés disparaissent. Allez, vous êtes là, sur la terre ici, mais vous êtes liés à la mer, sous la mer. Vous êtes liés là. Donc, comme cela, quand on t'a montré ces choses finies, je vous dis qu'il y avait produit cosmétique sous la mer. Elle a enlevé, premier jour de visite là, elle a mis sa main où il y a les produits cosmétiques. Elle a fait sortir, si c'est pommade, si c'est quoi, moi je me dis que c'était pommade. Il y a cette boîte vide. Quand elle a fait ça, elle a fait sortir la boîte et puis elle a fait ça. Quand elle a ouvert, elle a fait. Excusez-moi. Puis elle a enfermé. Vous qui utilisez gel pour embellir les cheveux, c'est mort de Wata sous la mer. Gel, c'est mort de Wata. C'est bien écrit dessus, gel. Gel tamtamo, gel de couleur gris, couleur bleue, couleur noire, couleur poire, c'est mort de Wata sous la mer. Impureté d'un démon que tu prends pour te maquiller, tu te crois belle. Tu te dis tu es enfant de Dieu et tu es habillé comme une prostituée. Enfant de Dieu, tu es habillé comme une prostituée, on ne peut pas te distinguer, te différencier avec les gens du monde. C'est quel type d'enfant de Dieu tu es? Tu n'es qu'enfant de Jézabel. Tu n'es qu'enfant de Jézabel. Et ce que je sais selon la Bible, tous ceux qui mettent les phares à leurs yeux, qui changent la création de Dieu, qui mettent les choses pour s'embellir, des balles d'autres, sont les descendants de Jézabel. Lorsque il devait rentrer dans le territoire, hein, des Ahab là-bas, il devait rentrer là-bas, Jézabel l'ayant pris, elle a mis du phare à ses yeux. Tu appartiens à Jézabel, il faut bien te maquiller comme Jézabel. Mets du phare à tes yeux. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent sous la mer. Auquel en parlant, quand tu parles, tu oublies même de dire d'autres. Et tu oublies même de parler de d'autres, tellement que c'est beaucoup. Il y a un autre monde à côté du monde de Wata sous la mer. Sous la mer, c'est la même mer, mais de l'autre côté, il y a un autre monde où Lucifer se rencontre avec ses éléments. Quels sont les magiciens? Les gens appelés les bouddhistes, hein, les maïkari, les kankas, francs-maçons, en tout cas tous ceux qui adorent le diable en âme conscient là, leur monde se trouve à côté du monde de Wata sous la mer. Chrétiens, toutes les Bibles ne sont pas utiles à l'enfant de Dieu. Hein? Bible, Bible. On ne prend pas Bible parce qu'il faut prendre Bible. Faites très attention. Sous la mer, Église catholique, vous voyez là. C'est caché de des francs-maçons. Et les chrétiens naïfs trouvent que non, on dit Dieu là-bas, c'est là-bas qui est premier. C'est parce que l'Église catholique n'est pas le chemin emprunté, la voie d'adoration selon Dieu. C'est pourquoi Dieu a enlevé les hommes de Dieu qui ont créé les églises évangéliques comme les assemblées de Dieu, les EMA et autres. Ce n'est pas comme ça, il veut qu'on l'adore. Et je vous dis, je vois les Bibles sous la mer, les Bibles appelées Tom. Bible de Jérusalem, la Bible d'Arbi, la Bible Verbum Is El Caïn, la Bible des témoins de Jéhovah, c'est mentionné, tradition d'un monde nouveau. Tout se trouve sous la mer, les cinq Bibles. Je répète, la Bible Tom, Bible de Jérusalem, Bible d'Arbi, Bible Verbum Is El Caïn, Bible des témoins de Jéhovah, tradition d'un monde nouveau. Au Lori, tout est sous la mer, là. Chez Wata là-bas. Quand il dit chez Wata, il dit que dans le monde de Satan, au créer les Satan ou Wata ou. Ouais. La sirène est l'épouse de Lucifer, auquel Satan utilise pour polluer le monde, pour envoûter le monde. Donc, comme cela, et sous la mer, la sirène, écoutez, peuple de Dieu, Dieu ne tient pas compte du grand nombre. Sous la mer, les sirènes sont très strictes. Si un homme veut sexuellement d'une sirène, elle ne se laisse pas comme ça aller. Elle va imposer les principes, les conditions, les recommandations de leur mère. Qu'un mari m'a boué la sirène des eaux. Ah, il faut que tu fasses la dot, tu dois donner ça d'abord à ma mère. Quand il finit de donner, il y a une imposition de geler. Geler environ 10 jours sec. Sans manger, sans boire. 10 jours, moins de moins. Et après quoi, le mariage légal maintenant sera fait. Pour dire votre mariage, c'est éternellement. Éternellement. Vous, tu les appartiens comme aussi. En tout cas, la femme là est à toi, éternellement. Dans leur royaume, sous la mer. C'est pourquoi l'éternel Dieu est très strict sur le péché du corps. Nous les hommes créés à l'image de Dieu, quand un homme dit que je te veux naître, quand même il dit que je te veux, je ne vais même pas lui dire, mais selon la Bible, il faut non. Léa, on s'en fornique. On s'en fornique.
C'est pourquoi quand Dieu a montré l'enfer, il a montré des chrétiens qui l'ont adoré. Il les a utilisés, fait les prophéties, prodiges, miracles, chassés les démons. Mais malgré ça, ils se trouvent dans le rang des prostituées à l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas régularisé la dot qu'est le mariage selon Dieu. La dot du mariage instituée par Dieu. Ce qu'on ajoute, le mariage légal n'est pas mauvais parce que la résistance est faite pour les enfants de Dieu. Donc c'est une manière aussi de se réjouir. C'est pourquoi on respecte ce qu'a dit les autorités du monde. Selon la dot et le mariage selon Dieu. La dot qui est biblique, on ne voit pas ce qu'on voit ici. Dieu n'a pas créé, dit que non, il a créé alliance quelconque de porter pour faire son vœu. Pour dire qu'on a porté alliance, pour dire que c'est ça, on va reconnaître qu'on est marié. Devant Dieu, devant l'exemple, toi-même tu reconnais que tu es marié. Beaucoup aussi sont témoins que tu es marié. Il faut pouvoir parler toujours avec un anneau sur son doigt. Ah. Si tu meurs, ton anneau est sur ton doigt, il faut garder tout corps naturel. Mais si tu meurs, que ton anneau est sur ton doigt, quand ton âme va partir, l'anneau là, c'est là-bas sur lui. Ah, d'accord. La Bible t'attend. L'enfer va te dire, bon arrivé. Tu as un nom aussi sur ton doigt ici. Bon arrivé chez nous. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien aimé. Auquel je veux vous parler des choses. Quand tu pars, tu oublies hein, certaines choses. Je vais vous parler d'une coudée. Quand je servais Ouata, comment est-ce qu'on parcourait les églises catholiques dans le monde? Comment est-ce qu'on parcourait, on visitait les églises catholiques dans le monde? Voici comment on parcourait les églises catholiques dans le monde. Autant nous autres, on est sur la terre ici parce que, à cause des salons de coiffure, de Pierre m'a visité là. Quand tu dors, maintenant, matin, où tu vas te reposer, où, quand tu dors, tu vas trouver ton âme sous la mer. À midi, où, ton âme est sous la mer. La nuit, où, la gâterie. Tu parcours la mer comme des lits. Tu parcours la mer. Tous les lieux de la mer. Tu parcours seul. Quand tu te réveilles, tu vois que tu es quitté sous la mer. Tu es comme ça. Donc, voici comment on visitait les églises catholiques dans le monde. Au moment où nous qui sommes sur la terre ici, on doit aller à la rencontre de Ouata et son royaume sous la mer. C'est comme Ouata doit sortir de la mer avec ses agents qui sont sous la mer. Et lorsque eux ils quittent, ils sont bien accompagnés de tout ce qu'il faut pour la musique. Guitare, hein, piano, trompette, en tout cas tout ce qu'il faut pour la musique, ils ont déjà tout. Et ceux qui sont là-bas viennent se joindre à nous et puis on chante. Marie, Momo, au Patakin, Marie, Seigneur, Mario, Marie, mon probao, Marie, on m'a évacué, on danse, parce que bien les Jésus, oh Marie, on danse, tous les chants catholiques, Marie, Momo, on chante tout, nous on parle de Marie, on chante tout, et on danse jusqu'on arrive devant une grande église catholique. Lorsqu'on est au moins à 30 mètres de l'église catholique, Ouata commence à se transformer. Elle se transforme comme monstre. Elle se transforme où elle est en pantalon comme une jeune dame de 35 ans. Pantalon, à elle est méchante, Ouata. Suis elle. J'ai oublié parce qu'elle m'a dit aussi que c'est l'ornement du dragon. La mèche que vous voyez, c'est serpent. Mèche là, c'est serpent. L'ornement du dragon. Tu dis que tu as peur du serpent. Hein? Tu as peur du serpent. Mais tu mets mèche sur ta tête. C'est serpent aussi que tu portes sur ta tête. C'est l'ornement de Satan. Le dragon se dit dans la Bible. Donc voilà, elle est comme une jeune fille, elle est de 35 ans. Et elle a mèche et puis pour dire pantalon sur elle. Ça, c'est le deuxième changement. Troisième changement de Ouata, où tu vois Ouata, maintenant, elle est en queue de poisson, telle que l'humanité, la terre entière la connaît, que c'est sirène des eaux. Elle est en queue de poisson. Après queue de poisson, 4 ans coudée maintenant, Ouata. Elle se change, elle est dans habit éclatant, robe de mariage. Elle devient d'une beauté extraordinaire auquel tu vas dire non. Moi, je vais devenir comme cette dame. Elle est belle. Avec tout ce que les femmes mettent pour se maquiller, pour se en tout cas, tout essuyer. Beauté extraordinaire. Comme j'ai vu une blanche, façon les catholiques te présentent à Maman Marie. Même chose, même beauté. Et ses cheveux qui sont faits comme femme qui va se marier. Et on est derrière elle. Lorsqu'on arrive devant l'église catholique, c'est comme les gens des catholiques sont au but. Et puis le dirigeant de l'église catholique a dit au peuple, faites silence, la Vierge Marie arrive, elle a fait son entrée. Au moment où Ouata rentre dans l'église catholique, tout le peuple, ma Marie est venue, la mère est venue, donnons sur votre terre, ma Marie est venue, parce qu'on dit d'acclamer Jésus. Le ressusciter des morts, on n'arrive pas à l'acclamer là. C'est bon, le diable, pour ne pas dire la sirène des eaux. Ah, je ne sais pas pour. Elle va me dire, donc nous, c'est
votre mère est venue, maman est venue, maman. Au moment où Ouattara rentre, voici les signes qui se présentent dans l'église catholique. Quand elle rentre dans l'église catholique, tout type de démons, comme chien, comme chat, comme souris, hippopotame, rhinocéros, cabédéon, hein, serpent, tout type de démons de diverses catégories rentrent dans l'église catholique. Et quand ils rentrent dans l'église catholique, autant les gens sont, les démons là sont au milieu d'eux comme ça. Rentrent au milieu d'eux comme ça. Et le deuxième ciel s'ouvre. Le royaume de Satan s'ouvre. Et les démons chient. Imaginez diarrhée de chien. Les démons chient sur les gens de l'église catholique comme ça. Et Ouattara s'assoit sur le trône et quand elle s'assoit comme le grand comme ça dans l'église catholique. Et les livres dont elle m'a montré sur la main, Mystère et Rosaire, ça est dans sa main. Sont dans sa main. Et elle utilise Rosaire, c'est comme c'est elle qui doit diriger le peuple de l'église catholique. Voilà comment, quand je servais Ouattara, avant que je n'arrête de presser, quand je servais Ouattara, voilà ce qui s'est passé. Donc tellement qu'elle me fatiguait. Elle me fatiguait. Un jour là, c'était devenu trop parce que physiquement, quand je marche, elle est avec moi. Elle montre qu'elle est avec moi. Et suis son élément. Quand je marche, voici que des poissons qu'elle touche. Où je vais là, c'est elle qui est devenue l'âme de Dieu derrière moi. C'est comme je ne connais pas Jésus. Jésus ne me connaît plus. Ça, elle j'appartient. Donc c'était devenu tellement horrible maintenant là qu'un jour, je me suis prosterné dans la maison où j'étais à Yukubo Maroc. Seigneur Jésus, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse. Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, c'est toi qui m'as levé dans l'islam, qui m'as levé au milieu des légions qui sont les démons, la folie. Mes parents ont désiré me sacrifier pour leur richesse. Et c'est toi qui m'as levé là-bas pour que je te serve. Mais pourquoi encore je veux servir encore un démon? Toujours, attends, toujours, je ne vois plus rien de ce qui est de Jésus-Christ, c'est toujours le royaume de Ouattara. Ça s'est passé trois au moins, trois à quatre mois comme ça. Que vraiment, Seigneur, je suis fatigué. Et j'ai commencé à pleurer, vraiment, je pleurais. Chemise que j'avais portée vraiment était mouillée. Ma petite chemise était mouillée sous moi. Seigneur, pardon, dis-moi un mot, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi un mot qui m'a fait grâce et s'est dressé. Garde, tous les dons ne viennent pas de Dieu. Le diable aussi a ses dons aussi qui donne aux gens. Il communique aux gens, tu as dit don de Dieu. Oh, c'est don du diable aussi. Donc, j'ai commencé à parler à Jésus-Christ, à parler à l'Éternel. Quand j'ai commencé à parler, tout d'un coup, c'est comme bruit de tonnerre et la voix qui va me dire, ma fille, toutes ces choses sont interdites pour le royaume de Dieu. Tout ce qui a dit la convoitise et la séduction, n'entre pas dans le royaume de Dieu. Car ce qui est lié au corps est lié à l'âme. Donc, quand j'ai entendu la voix, après je suis sauté, et mes genoux sont suicidés. La voix de Dieu là aussi, ça fait peur. On dirait tourner dans mes oreilles après. Et il y a eu une frayeur, venu en confession. Il dit, Seigneur Jésus, merci de m'avoir répondu. Et je me suis dit, ah, autant tu m'as montré l'enfer, tous mes parents musulmans à l'enfer, aussi les chrétiens qui mettent les mains comme un Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est pourquoi actuellement je fais parce que c'est pas où partir. Et je fais ça aussi pour avoir mon père. Mais comme tu as parlé, j'ai compris. C'est là qu'il m'a dit d'arrêter le salon, d'arrêter les méchés, de coiffer, de faire comme quoi si je suis sur les déchets. Quand j'ai dit aux gens, entre que mais, quoi que Dieu a dit qui? Quand Dieu a dit quoi? Qui de tous les jours c'est toi? Dieu dit. Tous les jours c'est toi. Tous les jours Dieu est ça. Tu vois démon partout. Toutes choses sont démon. Toutes choses sont comme ça. Il y a une servante de Dieu pour elle n'est pas où. Je parlais à ma mère, quel promo? Supérieur, quel promo au Maroc là-bas? Il est parlé, maman, Pierre-Poire, Rosaire. Elle tous les jours, c'est elle qui me parle mal, qui me lance les propos. Je ne vais pas très stresser de mes 10 doigts. Je connais bien très ça, je vais abandonner. T'attends un jour aussi, Dieu va lui ouvrir les yeux. Elle dit en songe, c'est comme elle s'était lavée. Elle a fini de se laver. Vous voyez les femmes des semaines, des femmes, des hommes de Dieu. Quand elle court habillée, même si c'est sa veste, c'est toujours pantalon qui est en bas. Elle ne va jamais courir du jupe, toujours ses pantalons qui est en bas. Elle s'est bien, elle a fini de se laver tout, elle s'est bien habillée, elle s'est bien maquillée. Donc comme de la même manière qu'elle fait physiquement, ce que tu es physiquement, c'est comme ça ton âme. Et son âme, elle s'est bien maquillée, tout. Elle a porté veste blanche avec son pantalon blanc en bas. Voilà comment Dieu va permettre qu'elle arrête de me persécuter. Toujours, je vois si rien ici, de moi ici. Voilà. Quand elle s'est habillée, elle a pris son sac à main.
En songe, elle dit elle sortait, elle partait. La cour où elle est, et puis où elle doit aller prendre voiture, c'est quand à 200 mètres, ici, Goudron, elle doit marcher pour aller prendre voiture pour sortir. Au milieu de la route, elle voit une dame grande, elle en pantalon, pour dire qu'elle a porté tout son corps, en tout cas, un peu exposé, et elle a des mains sur elle, tout. À ces éléments qui sont dans maillot de bain, patapon, un tout type d'habit que les femmes portent pour exposer leur nudité. Et quand elle a vu en esprit, c'est comme la voix lui a dit, c'est la sirène de ses agents. Elle a dit, sirène des eaux, je mets le feu sur toi au nom de Jésus. Quand elle a dit, je mets le feu sur toi au nom, quand elle a tapé la main, tous les agents de la sirène ont disparu comme le vent. Maintenant, Wata, elle-même, elle a dit. C'est elle-même qui m'a dit, oh, mon pied-bois, Rosé. Que Wata a arrêté, Wata dit, femme, c'est vous qui savez mettre le feu sur les gens. Où tu es là? Produit que tu prends pour défriser tes cheveux là, c'est pour moi. L'ornement du dragon mèche que sur ta tête là, c'est pour moi. Ça mon royaume que tout cela vient. Ce que tu as à tes reins, les pelles à tes reins là, ça m'a bâti. Hein? L'anneau que tu as à ton doigt ici, ça m'a bâti. Vernis que tu mets pour marquer, tu prends pour cirer ton teint, hein, pour attirer le regard des hommes là. Ça manque et ça partit. Tous tes bijoux que tu portes, tes chaînes que tu portes, tout ce qui est sur toi, ça manque et ça partit. Et la cérébrale, sinon toi-même tu m'as parti. Aïe sur la tête, aïe dans son rêve. Toi-même là, tu m'as parti. Et bien c'est réveillé. Le jour, elle était là-bas et puis elle va me raconter. Dieu a bien fait pour te répondre. Toujours elle me met dans la bouille des fidèles. On n'a qu'à dire moi, je vois des points partout, je vois quoi partout. Elle a vu clair aussi. Donc voilà ça. Et je vous dis, chers parents, on dit on adore Dieu, on dit on prie Dieu, on dit on glorifie un Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne prêchent pas la repentance. Les hommes de Dieu ne condamnent pas le péché. Les hommes de Dieu ne prêchent pas la sanctification. Les hommes de Dieu ne prêchent pas le salut. Les hommes de Dieu ne prêchent pas le royaume de Dieu. Tous les jours, bénédiction, miracle, prodige, restauration. Que pensez-vous à faire des faux hommes de Dieu? Quand la Bible parle des faux prophètes, les faux docteurs, là, vous pensez que c'est qui? Les hommes d'apostasie, vous pensez que c'est qui? Vous pensez que c'est ceux qui sont allés prendre portion, magie, qui sont allés prendre puissance occulte, c'est eux seulement qui sont faux hommes de Dieu? Non. Mes frères et sœurs, cette vidéo, la suite, va apparaître juste là, en dessous de cet écran, en dessous de l'Union Scribana, ici. Abonnez-vous, ne manquez pas cette partie-là. Nous allons découvrir des choses hors du commun. C'est parti.